Même chevelure, même moue boudeuse, vous l'aurez reconnu. Depuis 15 ans, Cindy a son obsession, Brigitte Bardot. Et elle fait tout pour lui ressembler. Alors, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Qu'est-ce que mettrait Brigitte? Elle aimait beaucoup porter des petites tenues en dentelle, très baby-doll. Et tous les matins, c'est le même cérémonial. Cindy passe des heures devant son dressing pour choisir la robe qui la fera entrer dans la peau du sex symbole des années 60. Et pour lui ressembler, Cindy ne lésine pas sur les moyens. J'ai fait refaire mes yeux, mon nez. Mes lèvres étaient trop fines, alors je les ai fait reconstruire. Ma lèvre supérieure, elle a été liftée et puis repulpée. Et ma lèvre intérieure regonflée. Plusieurs opérations, juste pour la bouche. Et ce sont les premières d'une longue, très longue série. J'ai des implants dans les joues. J'ai eu un lifting aussi du visage. Et puis j'ai été liposuccée dans toute cette zone. Mon menton a été raccourci et j'ai eu une augmentation mammaire aussi. Ma taille a été liposuccée. Mais elle n'est pas aussi fine que celle de Brigitte. Et elle ne sera jamais, mais elle est quand même plus fine qu'avant. Sur cette photo, c'est Cindy à 24 ans. La vraie, sans retouche. Au total, elle a subi 54 opérations de chirurgie jusqu'à ce jour. Avec toujours le même objectif, ressembler trait pour trait à son modèle. Pour avoir les cheveux de Brigitte, il faut les coiffer comme si on sortait du lit. Peut-être que vous avez fait quelque chose dans votre lit pour que vos cheveux ressemblent à ça. C'est un look très sexy. Elle se coiffait comme ça. C'est un super look. Les cheveux bouclés et savamment décoiffés, les yeux excessivement fardés, façon Bardot, Cindy ne laisse jamais rien au hasard. J'étais tellement excitée à l'idée d'avoir son look, à l'idée de lui ressembler. Je savais que ce serait beau. Je savais que ce qui allait me faire ressembler à Brigitte, eh bien, ça me rendrait belle. Mais ça a marché encore mieux que dans mes rêves. Et voilà, je suis prête. À 54 ans, Cindy ne travaille pas. Allez, montons dans ma Peugeot. Elle passe ses journées à consulter les médecins qui pourraient la faire ressembler un peu plus à son idole. Mais se transformer en bébé lui coûte cher. Plus de 100 000 euros engloutis en chirurgie esthétique. Alors comment finance-t-elle toutes ces opérations? Essentiellement grâce aux médias américains. Cindy est demandée sur tous les plateaux de télé et à chaque fois, elle empoche une coquette somme. Alors, dites-moi ce que vous avez refait. J'ai fait refaire mes yeux, mon nez, mon menton, mon ventre, mes genoux. Et vous voulez encore faire autre chose? Oui, mes seins. Regardez, j'ai des chaussettes dans mon soutien-gorge. Ça fait moins mal qu'une opération. Direction les beaux quartiers de Londres, dans un cabinet cossu. Monsieur Mervyn est dentiste. Il est capable de vous faire le sourire des plus grandes stars. Bonjour Marvin, comment allez-vous? Bien, je suis content de vous voir. Bonne année. Bonne année. Cindy lui a confié sa bouche. Dernière opération en date il y a 3 mois. Aujourd'hui, elle doit faire une visite de contrôle. Nous avons fait du bon boulot, je pense. Je vais juste regarder un petit peu. Le fameux sourire de Bardot, ce sont 2 dents subtilement plus longues. Un infime détail qui est venu chercher Cindy auprès de cet illustre chirurgien dentiste. Ses dents étaient très bien alignées et très régulières. Par contre, Brigitte Bardot a des dents de devant plus longues. Nous avons donc envoyé des photos à des spécialistes de New York qui ont fabriqué des facettes spécialement pour elle. Coût de l'opération, 16 000 euros. Une fortune pour un détail qu'elle sera peut-être la seule à voir. Le résultat est vraiment fabuleux. Maintenant, je souris. Pourtant, il y a 15 ans, son modèle, c'était Barbie. À l'époque, Cindy Jackson va tout faire pour lui ressembler. Mais la jolie poupée blonde ne sera qu'une passade. Une 20aine d'opérations plus tard, Barbie est finalement détrônée par Bardot. Fin de journée pour Cindy. Bonjour docteur, ravi de vous voir. Comment allez-vous? Après le dentiste, le chirurgien. Il la connaît bien, il la voit presque tous les 3 mois depuis près de 20 ans. Avec 54 opérations, c'est sa meilleure cliente. Quand on regarde Brigitte Bardot, on voit que c'est bien rempli là. On pourrait faire des injections ici ou là. Ça permettrait de remplir le creux. Il y a 2 jours, Cindy a repéré un petit défaut sur ses pommettes. Celles de bébé sont plus rondes.
Appelée en urgence, le chirurgien a accouru chez elle. Une injection d'acide hyaluronique au beau milieu du salon devrait suffire à calmer les angoisses de Cindy. Oh, c'est déjà beaucoup mieux. Oui, il y en a peut-être un petit peu trop par ici. Une quête sans fin qui a transformé Cindy en pâle copie de Brigitte Bardot. Mais l'obsession de Cindy lui aura au moins permis de gagner une distinction. Celle de figurer dans le livre des records. Elle totalise aujourd'hui 54 opérations de chirurgie esthétique pour une valeur de 100 000 euros.